Je dois parler à mon père. J'ai quel âge? 12 ans, 13 ans? Je ne sais pas. Il y a une sorte de brouillard rouge dans mon esprit. Pourtant, c'est une belle journée d'été. Il n'est pas très loin, à l'entrée de la ferme. Ici, c'est chez moi. Papa. Oh, hey there. I didn't see you coming. So, how did it go? Did you find it? Quel est cet endroit, papa? On est où? Where are we? We're at home, silly. Where else would we be? Just mommy, sister, you and me. Now tell me, how did it go? Did you find it? Non, je l'ai pas trouvé. No? Pity. Maybe you're simply looking in the wrong places. Did you ever think of that? Oh, well, who knows? Say, why don't you go inside and see if you can help mommy with the cooking? The creator was kind to us today and sent a big fat elk right in front of my bow. All right? Le cerf. C'est quoi ces morceaux de viande? Un peu partout. My, my, I totally forgot what a mess I left here. But I was right, wasn't I? A real gem we've got here. Well then. Let's waste no more time and get to it, shall we? Mais... et pour maman et ma sœur? What? Now would you look at that? I totally forgot about them. They're dead, don't you remember? You murdered them back then, both of them. But hey, no use crying over spilled milk, right? At least this means there's more meat for the two of us. You still remember how to do this, right? First, off with the skin. Slice up the belly, then out with the entrails. I'll look for a nice sharp knife in the meantime, to cut off the head. I don't think either of us wants to eat that, do we? Mais je les ai pas tués, papa. C'était des hommes masqués. Oh, silly, what's this again? We both know that's a lie. You did it. I remember it all. First... you set this horrible fire to your sister's crib. She screamed and screamed, and mommy heard it, but when she finally got there, nothing was left of her but burnt flesh. And, oh gosh, do we really need to go through this again? You know how sad it makes me when you do this. You killed them, period. No matter how often you tell me you didn't, it changes nothing. You hear me? Nothing. Now please. Let's start cooking. I'm so bloody damn hungry. Papa, je les ai pas tués. C'était des hommes masqués. Oh, by the creator's name, why are you telling these lies? Isn't it enough that you murdered us? Do you really have to bother me over and over with your stupid, pathetic, and pointless whining? You know, sometimes I wish the creator would have made me just a little less merciful. Just a little less... pious, because then I would have realized that you were tainted by sin long before any of this had ever happened. And instead of raising you, feeding you, and loving you like a father does, I would have put you in the horse trough right after you were born. Yes, I should have killed you. I should have just killed you.
just like you killed us. And now, you think you're safe because we're all under the earth, don't you? Well, listen up, my child. You are wrong. And do you know why? Because the dead don't forget. Do you hear me? The dead don't forget. Now enough of this useless chatter. I'm bloody starving. Bring me the meat, you spoiled brat. Bring it to me. Bring me a nice crisp piece of meat. 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 Shh. Hey. Quiet, damn it. You wanna wake up the entire ship or what? Well, sorry. That was a bit harsh. I'm just nervous, that's all. It was that dream again, wasn't it? Oui. Encore ce rêve. Ce cauchemar qui me hante. Uh-huh. Seriously, if we had a penny for every night since we met where you woke up screaming, we'd probably be traveling to Anderal in our own starship and... Well, not like this. Some things never change, I guess. Do you ever ask yourself if maybe you blame yourself for all of this? For what happened to your family, I mean. C'est faux. C'est ces bâtards du temple qui les ont tués, pas moi. Et ça, je le sais. As determined as ever. I guess you're right. But... Who knows? Maybe everything is gonna be different now. It's strange, isn't it? The way life sometimes goes. Now, if you had told me that a few weeks ago, I would have, at the very least, called you insane. But if the stories are true, there's no better place for a fresh start. Can you believe it? Apparently, there aren't even any slaves on Enderal. It's amazing. Only this whole blind passenger thing is making my head ache. C'est pas de notre faute si le bateau est si peu gardé. Par comment on n'aurait pas pu payer la taxe d'embarquement de toute façon? Not our fault. Damn it, we're thieves. Frauds. And unlike you, I actually have a problem with that. But anyway, what's done is done. I just hope the Andralians are easier on Outlanders than the Neremese are. Your mother was a fugitive as well, wasn't she? Where exactly did she come from? You've told me 100 times, but I just keep on forgetting it. Araziel. Right, how could I have forgotten? She was one of the few free people who ever set foot on a ship. Anyway. I'm gonna hit the hay for an hour or so. It's your turn to stand. Wait. You hear that? Shit. Someone's coming. Women nowadays just don't want a man to guard them anymore. That's the problem. I tell you. Sometimes I long for the good old days, back when I could lift a skirt and nobody would bat an eye. Anyway, enough of the chit-chat. Now where did I put that key? Oh, blazes, what do they want down here? The lamp! Quickly! Put out the lamp! Good. Now, quiet. Ah, here we go. Bah, smells like Vautier's balls down here. Say now, what's that chest supposed to look like? Small, with the crest of the Blue Island Coalition on it, I think. Ah, yeah, right. Black Guardian knows what the captain wants it for this shortly before arriving. You go look upstairs. I'll see if I can find it down here. Okay. Oh, shit. That don't leave us any choice. We need to do something quick. You take on the old guy, I'll take the young one. Go! What the? What? Someone's there. Throw the ils sont où, ces fils de pute? Come on, dodge! You can do it! Il a quoi sur lui? La merde. Oh man,
Oh man, oh man, oh man. That wasn't part of the plan. Not at all. What in blazes are we going to do now? On pourrait les tuer. On va les attacher, les baïonner. Et ensuite, on file en vitesse. Yes, yes, of course. That makes sense. One of them said it's not much longer until we arrive. With a little luck, no one will notice they're gone until then. Come on. Help me search. There must be a rope or something. And I thought we were over the hump when we made it on board. It just can't trouver de la corde. Easy, can it? Voilà. J'ai la corde. The probabilities have turned against you. What the? Who are you? Qu'est-ce que c'est? You are confused by my sudden appearance. But my identity is irrelevant. Une femme voilée de noir. Dear Sirius. Unfortunately. Elle vient d'où? What? Oh shit, please don't tell anyone we're down here. Please. We didn't mean any harm. These guys were just... You ask that I not reveal you. For your intentions were not evil. And I believe you. But sadly... Tu la vois? It's not compassion that rules my deeds. The first beat of a wing must happen. It is the only way the probabilities will fall into place. This is the way it has to be. The way it has been for eons. I am sorry. What the? Oh no! No! What are you doing? Please! Just don't leave! We just wanted to... Le premier battement d'aile. Elle a parlé de quoi? Pour que se mette en place la roue des probabilités. Et on est coincé là. After we had left Ostin, the two of you hid in the cargo and lived on our stocks. Then when Rick and Sebald found you, you gave them a beating. And all of a sudden, a veiled woman appeared and knocked you out with wild magic. Is that about it? Yes. I know it sounds crazy, but it's the truth. Please, my dame. We didn't have a choice. You've got to believe us. The war, we just wanted a second chance. That's all. A second chance. Yes. I think I understand you. You wanted to start a new life in a new land. And as my ship is one of the only ships still sailing the route since the wars, you were simply forced to board without paying. Yes, we could work for you, you know? We could scrub the deck, peel potatoes, anything to pay off our debt. And as soon as we've arrived... Arrête de pleurnicher, Sirius. Heartbreaking. How truly, truly heartbreaking. But let's be honest. You did have a choice. You could have signed on like all the others did, but you didn't. Instead, you've nested on my ship like flesh maggots, enjoying the good life while my crew actually had to earn their keep. And now you're feeding me this bullshit about veiled women and wild magic? How stupid do you think I am? I know your kind. You are cutthroats, filchers. At least have the guts to admit it. What? No, 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 no. You're wrong. Please, just let me explain. I don't give a shit for your explanations. If there's one thing I hate more than cowards, it's people trying to pluck my heartstrings. You two are scum. And there's only one kind of punishment for scum on my ship. Pull him up, Brugger. But Captain, do it. Of course, Captain. I'm sorry, lad. You should have stayed in Nerim. But... You can't do this. Oh, believe me, I can. No, I... Oh, well, look at that. Someone's woken up. Rise and shine. Tie him and his friend together and feed them to the fish. Good luck in your new life, friend.
J'ai du mal à respirer. Les profondeurs. Breathe. Tell me, what is time? To the dead, dreaming anyway. They come from the same. So many people just talk, and how never does it feel to be powerless? This is about your damn pride, team. I know I'm not real. That was a mistake. And it's not according to your definition. I know damn well I'm dead. It's just. Crisp. There is nothing I can do. This isn't happening. But then again, this isn't happening. What is reality anyway? Selfish fool! On dit que les noyés ont des visions avant de mourir. Mais je ne suis pas mort. J'ai échoué sur le rivage. Ouah. Je suis où là? Ces visions. J'ai cru que j'allais mourir. Je n'ai rien. Pas une arme, rien. Rien pour me défendre. Je dois être en Enderal. Le navire était pas très loin quand ils m'ont jeté à l'eau. Sirius aurait dû fermer sa grande gueule. Il ne serait pas mort. Il aurait eu une chance. Comment on sort d'ici? Bon, je me lance dans Enderal avec un perso qui fait pitié. Un vagabond. Aucune compétence. Ouais. Hé, tu me regardes? Ils n'ont aucune compétence, et même pas de quoi se défendre. Un Agnar, ça me rappelle la série des gothiques. Un simple loup peut te mettre en pièces, comme t'as fait à ta famille. Non, c'est pas moi, c'est les hommes masqués. T'as peut-être raison, mais moi j'en sais rien. En tout cas, t'as la cervelle en bouillie, mon pote. Trouver un passage? Oui, je veux bien faire ce qu'on me demande. Trouver là un chemin vers l'intérieur des terres. On l'avait compris, non? C'est vrai que si tu avais ouvert ta gueule en pleurnichant comme Sirius, tu serais mort. Tu t'en sors bien, non? Alors fais gaffe. On va où, là? Attends, il y a des choses à ramasser au sol. Alors le problème, c'est ça, Gnar. Tu vas t'amuser à piocher, regarde, une torche. Une bourse. Dans le squelette, il y a quoi? Il y a un couteau. On récupère. Si tu fais ça pendant des plombes, moi ça me branche pas trop, tu vois. Et pourtant, c'est important. Sinon, tu vas finir nu comme un verre. Tu vois, une potion de soin. Nu comme un verre, avec rien du tout en poche et aucune fringue sur toi. Donc, c'est une obligation. Tu sais où tu vas? Non, pas du tout. Enfin, bon. En tout cas, ça passe. Allez, saute ce rocher. Regarde. Ah oui, la vision que tu avais quand tu t'es noyé, cette ruine. Elle est où? En tout cas, il y a une tente là-bas. Il y a quelqu'un ou pas? Fais gaffe. Ah, personne. Il n'y a rien à ramasser non plus. Dans les tonneaux, là? Non. Les traces de sang au sol. Ah! Mauvais présage. Bon, j'ai pas envie, comme je suis sur Steam, là, qu'on vient de voir ça en bas à gauche, que des mecs qui jouent à des jeux interviennent sur mon écran. Alors, je reviens les mecs, hein. Je me débranche de Steam. Bon, c'est fait, Agnar. Je me suis déconnecté de la plateforme Steam, comme ça on n'aura pas les notifications des joueurs qui jouent et qui annoncent sur quel jeu ils sont, en direct, en live. Des traces de sang au sol, je disais, mauvais présage. Sur le chemin, jusqu'où? Ah voilà, la vision que tu avais pendant ta noyade. Cette explosion de vision, comme si tu avais pris des champis, mon pote. Il y avait l'entrée de ce temple. Il doit passer par là.
temple abandonné. Alors pour te défendre, t'as de tes poings. Et tes jambes pour courir. Ouais, on y va. Alors je pense que tu vas faire la cueillette en chemin, ça m'emmerde un peu de passer du temps à chercher quand on va. Y'a quoi là? C'est quoi ça? Les ruines d'un ancien temple, évidemment. Bon, il y a un livre d'apprentissage au pied du squelette. Bon, pas la peine de me le dire, je l'aurais trouvé, non? Oui, voilà, une fois de... ouvrez votre inventaire. Bon, récupère les... Ça, ça sert pour l'alchimie, j'imagine, ouais. Allez, il y en a pour des heures à faire tout ça. Là, le bouquin. Un livre d'apprentissage qui t'apprend les prémices du combat à une main en tant qu'apprenti. Récupère. Ça, ça bouge, là. Quoi d'autre? Rien. Non, non, mais attends. Pour regarder, il vaut mieux se mettre comme ça. Parce que là, au moins, tu sais ce qu'il y a au sol. Sinon, tu vois rien. Voilà le problème. Le squelette vide. Atatata, c'est quoi ça? Une clé runique. Tu vois, j'aurais été... avec ma taille normale, sans m'accroupir au sol, les yeux grands ouverts, j'aurais rien vu. Récupère. Clé runique. Interagir avec la statue, ben, ça doit se placer ici, vas-y, tente le coup. À mon avis, c'est bon. Hein. Et ça donne quoi? Ah, des trucs qui sortent de l'eau. Et alors? Par hasard, ah ouais, ouais, apparemment, ça nous ouvre un chemin, ça, vas-y, vas-y. Saute sans te péter la gueule dans la flotte. Hein, ok, tu sais sauter encore? Non, saute. Ok, ok, ok. Il y en a encore un dernier qui est en train de se lever là-bas. Saute, saute! Mais non, pauvre con! Putain, mais t'as appris à sauter où, toi? Tu sautais à la corde à la maternelle, c'est ça? C'est tout? Bon, on y va. On essaie de sauter sans se prendre les pieds dans le tapis. Pas le tapis, façon de parler. Vas-y. Ok, celui-là. Ok, celui-là. Ok, tu y es presque. C'est bon. Me dis pas qu'il y a des trucs à prendre au sol non-stop, là. J'y crois pas, quoi. On va où comme ça? T'es risqué péril? Dans quel sens? Droite, gauche, tout droit. Ben, tente le tout pour le tout. Explore les quatre directions. À droite, on va où? À droite, il y a un escalier. Un escalier qui mène où? Ah ouais, des morceaux de métal d'une nation antique. Mais tu sais, mon pote Tagnar, ça, ça se revend. T'as pas un rond en poche. On sait pas où tu vas atterrir. Tout ça, tu peux le revendre. À mon avis, c'est tout. Explore la partie extrême du souterrain de l'autre côté, là-bas. Ah, je sais, tu te mouilles les pieds, t'as pas de chaussures, t'as pas de bottes. Un vagabond, un loqueteux, ouais. Venant de la cour des miracles. Allez, saute. Quand ça bloque, tu sautes. L'autre extrémité, là-bas. T'as un truc qui brille, c'est quoi, ça? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Certains lieux seraient potions de santé à la chèvre arcanique. Et une potion d'ambroisie la diminue. Ok, on peut se choper la chèvre arcanique. Alors pour ceux qui ne savent pas, là je suis en train de la choper, d'accord? Démerde-toi, prends ce qu'il y a sur la table, fais vite. Attends pas deux heures. Attends pas deux heures, vas-y. Parce que la fièvre arcanique, barre-toi, barre-toi, barre-toi. Il faut la combattre, maîtriser ta magie, on va dire. Sinon, quand tu es infecté par la fièvre arcanique à un niveau, un pourcentage important, tu peux arriver à crever, tu peux crever, évidemment. C'est pire que le Covid-19. Hein. Alors on est au bout déjà, là on tourne à gauche. Tu peux crever ou te transformer en espèce de créature terrifiante. Parce que j'en sais, hein, j'ai jamais assisté à ça. On va où, là?
T'as mis où ton souterrain, là? C'est pas mon souterrain. Tu l'as vu en rêve, c'est le tien. Ben, on te l'a indiqué, non? C'est quoi, ça? On va où, là? Ben là, tu peux récupérer, regarde. De la bière imbuvable, d'accord. Et même là, tu peux dormir. Tente le coup. Allez, une heure. Un sac de couchage. Ça change pas grand-chose, mais bon. Ah, il y a un arc au sol, prends-le. Putain, peut déjà aller voir. Un carquois des flèches. Un livre d'apprentissage pour la furtivité. Ouais, si tu regardes pas avec tes yeux grands ouverts, quasiment à plat ventre au sol, tu vois rien du tout. Et là, on va où, là? Attends, il voit rien du tout. Il y a une porte, ouvre là. Surprise, surprise. Comment on passe, là? C'est rien, c'est pas une torche? Non. Ben, par là. Attends, on n'y voit rien du tout. Mais t'en viens, là. Si la porte s'est ouverte, c'est pour aller quelque part. Vas-y, continue. Quel côté? Ici. Il y a une autre porte. On va déjà la voir. Ah, on voit déjà un peu plus clair, là. Regarde-moi ça, les vieilles sculptures qui appartiennent à une ancienne civilisation disparue, j'imagine. Ah, rien à prendre, là. Allez, Agnar. Dans ta gueule, la fièvre arcanique, aucune trace apparemment. Cette porte, le temple abandonné, d'accord. Le temple abandonné, ça donne quoi? Cette machine, pourquoi elle semble si familière? Parce que quand tu as failli te noyer, le paquet de visions que tu as eues qui ont déferlé, cette structure aussi est apparue. Ça veut dire que tu es sur le bon chemin. Quelle est la mystérieuse femme voilée de noir qui vous est apparue à toi et à Sirius? Elle a dit qu'il suffisait d'un battement d'ailes de papillon, rappelle-toi, pour que se déclenche l'espèce de roue des probabilités, un truc comme ça, quoi. Et à mon avis, ton arrivée vivant sur cette plage, c'est le battement d'aile du papillon, ouais. La suite, mystère. Bon, attention. Récupère, griffe de givre. Alors, la griffe de givre, elle sert à quoi quand tu la bouffes? Elle augmente, de manière pas très importante, mais quand même, ta possibilité d'emporter du matériel dans ton sac de tout le côté porc, quoi. Non, pas pour clip de givre, voilà. Voilà, augmente votre capacité d'emporte façon permanente, c'est pas mal ça. Dès que t'en trouves une, apprentissage, apprenti. Ah oui, attention, combat une main, on peut la prendre en ouvrant le livre. Voilà, furtivité, pareil j'imagine. Ah non, j'ai pas assez de points d'apprentissage. Ça, je peux le voir ici. Classe explorateur, Agnar, niveau 1, bon, rien. On continue, on trouve des trucs en route, ce qui m'emmerde, ça peut prendre des heures tout ça. Bon allez, descends là, va voir plus bas. Là, il n'y a rien à voir. Sinon, qu'il y a un passage là-bas, faut déjà le deviner dans l'obscurité, regarde ça. Là, mon pote, dans les intestins du diable. Récupère. Ça, c'est bon pour l'alchimie. Je sais, la cueillette, là, c'est ça, ouais. T'as une autorisation pour aller faire tes courses de première nécessité? Ouais, t'as tous les... Tu es un homme libre, perdu mais libre, donc tu as toutes les autorisations. C'est quoi, ça? Passe pas, évidemment. On va là-bas. Truc à récupérer là. Non, attends, on va se mettre comme ça parce que là on comprend rien là, tu vois. Là c'est mieux. Une pioche. Et en plus ça se revend tout ça. Potion de soin. Gobelet.
si on trouve un cadavre. Putain, regarde-moi l'horrible bestiole. Il a muté, il a quoi sur lui? De la chair humaine. Waouh. T'appelles rien, ton rêve? Papa qui te dit, coupe la tête à maman, on va pas manger la tête quand même. J'ai faim, un peu les cuirs. C'est quoi cette histoire de fou? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer là? Putain. Parce que t'as pas vu tout le passage? Regarde, il y a une planche là. Tu mets les pieds dessus et tu peux grimper. Regarde. Hop, hop, je te montre un. Hop, yeah. Qui est presque en haut. Tu y es. Qu'est-ce qu'on récupère? La même merde, des moritures buzz, comme ton buzz. En tout cas, si on s'en sert pas, on les revend. On va pas passer son temps à faire la cueillette. Il y a quoi là? Pas un coffre ça? Non. Attends, c'est quoi ça? Ah ben voilà une pioche. Ben, j'en ai déjà deux pioches. C'est tout? Une potion. Un livre de sort, bénédiction. On le prend. Potion de mana. On la prend. Et au fond, c'est quoi ça? Une valve. Ah ben évidemment. Ça ouvre quoi? Ouais. Je pense avoir compris. Non. Ah si, l'une des roues s'est relevée. Il faut donc un passage. Tu peux sortir. Regarde. Pleine nature. Ah ouais, alors là, faut faire gaffe. Est-ce que t'as une arme sur toi d'abord? Jette un œil. Elle peut tout faire. Arc, couteau, pioche. Allez, on sert de la pioche, puis voilà quoi. Tu vois? Ouais. Alors, furtivité. Pour te monter repéré, là. Grimpe là-haut. Oh oh, c'est quoi? Ouvre le coffre. Récupère tout. On verra plus tard ce que c'est. Détecté par qui? Regarde la bestiole là-bas. Tu te la fais pas. Détecté, on s'en fout. Tire-toi. Fonce. Voilà la sortie. Et descend doucement. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on descend. Surprise, fais gaffe à toi. Allez, Agnar, un peu de courage. Pieds nus. Un vrai loqueteux, ouais. Une tour abandonnée, entre là-dedans, va voir. Fais gaffe à toi, on meurt facilement. Alors, on descend à l'intérieur pour trouver quoi? Surprise. Oh là là, t'en y vois rien du tout. Y a quoi là? Du matériel à prendre, ouais, du matos à revendre, c'est tout. Là-haut, là, je peux l'avoir ça ou pas? Bon, écoute, ça m'emmerde, passer des heures. Piquer du matériel, c'est quoi ça? Y a rien, ils sont plus bas. Bon, j'aimerais savoir déjà si tu as récupéré. Non, ne saute pas, s'il te plaît. Fais gaffe, un loup! Ça va, tu l'as eu. Un traqueur du littoral, viande de loup. Par contre, quelqu'un s'est fait buter à côté. Un vagabond malchanceux. Comme toi, mais moins de chance. Ah, il a du matos sur lui. Récupère. Range cette épée. Et regarde si tu peux pas te saper autrement.
Bon, déjà, épée, d'accord, la garde, il n'y a pas d'autre. Chaussures, zéro d'armure, mais c'est mieux qu'être pieds nus, d'accord. Gants, zéro d'armure, mais c'est mieux qu'avoir les mains nues. Tenue de vagabond usée, 11 d'armure. Et bien, on va la prendre. Ça donne quoi ? Maman vieux, mon vieil Agnard, t'es mieux comme ça, non ? Hein ? Tu ressembles à quelque chose comme ça ? C'est quoi ce tatouage, là ? Du sang. Bon, essaie de sauter, tu risques pas grand-chose, c'est pas très haut. T'as encore tombé sur des enfoirés quelque part. Allons-y, furtif. Quoi qu'on ait détecté, là, enfin bon. Il y a sûrement des loups. S'il n'y en a qu'un, ça va, mais s'ils sont deux ou trois, ben justement, il y a des loups. Je les vois en bas, là. Regarde-les. Il y en a un qui n'est pas très loin. Allez, fonce, fonce, fonce. Tant pis pour les loups. Fonce! Putain, tu fais quoi, là ? Non, récupère rien, t'as des loups au cul. Il y a un campement, là. Ouais, on dirait qu'il y a un campement, ouais. Putain, mais on n'y voit rien, il est quelle heure, là ? Ouais. Un campement. Eh ben, prudence. On ne sait pas à qui on a affaire. Apparemment, il m'aurait attaqué s'il y avait un problème, non ? C'est quoi le mec ? Il cueille des plantes ou quoi ? Now would you look at that ? I knew I'd seen someone scrambling in the mountains. What brings you here, my sir ? Ah, c'est une longue histoire. Où suis-je là ? Et vous, vous êtes qui ? I know that accent. You're Nerumese, aren't you ? Though obviously not the most sociable of fellows, it would seem. You... You quoi? There we go. Everything's locked up. At least for the night we should... C'est son pote qui parle. Wait a second. Who's that? Just an adventurer on his way. No reason to worry. No reason to worry? For heck's sake, Finn. How do you know that this guy isn't with the bandits? You said you'd call me if anyone showed up. And now you're standing here, having a chat with him, as if this were the bathing house of Ark. Lo and behold, we are still alive. Now, is there anything else, Carbos? En tout cas, c'est pas des bandits. I've got my eye on you. Mais t'inquiète, je touche stuff, à rien, je touche à rien. You'll regret it. Unbelievable. May I present Carbos, as he lives and breathes. Sorry about that just now. That's just how he is. In any case, if you don't need any more help, I'd suggest you move on. Follow the way east behind the dam house. It'll lead you to a village called... Riverville. Ah, here, take this. Truth be told, you don't look so healthy. Your eyes... Ah, well, whatever. Mes yeux. Ah ouais, la fièvre arcanique. Et mes yeux. There's something peculiar about you. I don't know how else to say it. I would examine you myself, but we don't have the right equipment with us. So if I were you, I'd ask a priest in Riverville to have a look at you. Who knows? Maybe you caught something in that temple. Quelle est votre histoire? Pourquoi vous êtes ici? Vous êtes qui, vous? Us? Oh, nothing spectacular, I'm afraid. We gather herbs, but tomorrow we're going back north, to League. You should stop by one day if you're in the area. Someone who scours Pyrian ruins and survives could surely be useful to the apothecary and help us find some things.
à des apothicaires. Ils travaillent sur les plantes, plantes de soins et autres. Ben, est-ce que je peux échanger des objets avec eux? Ouais, ça me ferait un peu de monnaie. Je crois que l'argent ici, c'est les couronnes, c'est ça, hein? Yeah, why not? Show me what you've got. Maybe I have some things you can use. Ouais, ça va, ouais, discours. Là. Alors, Finn, c'est le nom du mec. Moi, je m'appelle Agnar. Qu'est-ce que j'ai à lui vendre? En armes, deux arcs, j'en vends un. Le couteau, je m'en branle. Flèche, les gardes. La pioche, la garde. Ok. Les fringues. Vêtements, zéro d'armure, je balance. Vieille robe, 11 d'armure. La vieille robe, on la balance aussi. Potion, je la garde. De la bouffe, un parchemin, d'accord. Bière imbuvable, tout ça, je garde. Ça aussi. Les livres de sort aussi. Et là, ah ben voilà, la coupe des nations antiques, là, les objets de l'ancien temps, là. C'est quoi, ça? Livre abîmé. Morceau de métal antique. Un autre. Appartenant à une nation antique. Encore un autre. Un marteau, un morceau, je sais pas quoi. Un panier, des pincettes, des pièces détachées. 10. Ouais. Un plan pour faire une hache de fer. Je m'en fous, tu peux récupérer. J'ai 86 couronnes. C'est pas des masses, ouais. Ben, merci, merci pour votre aide. Don't mention it. I wish you a quick recovery and safe roads. Walk blessed. Carbos, do we need the still tomorrow? Or can I clean all the tools? Ah, il y a un alambic qui bosse, là. Finn, I'm playing. Don't bother me. Il bosse sur les plantes. I guess that means no. Wow! Et la fièvre organique, ça y est. By the righteous path, what happened to you? You look as if you've met the Black Guardian himself. Soigne-moi, mec, je t'en prie. J'ai subitement attrapé ce genre de fièvre. Ouais, c'est pas le Covid-19, hein, c'est pire. Hein. Vous avez une idée de ce que ça peut être? Fever? Well, there could be many causes. Wait a moment. I think I still have some grunt root. That should be enough to ease your pain, at least for now. Take a seat at the fire. The warmth might help you. Ah ben, je te remercie. Oh, so now we're brewing. Prendre un siège près du feu. Well, if the strangers are about to die of fever, then yes. Son pote est pas content parce qu'il m'aide. We swore once, remember, to help the afflicted. Ben, c'est le serment d'Hippocrate. Ouais. Whatever. Thank you. Allez, fais-moi un remède. Gruntroot. Ah, here we go. T'as tout le matos pour bosser. Putain, j'y vois rien, j'ai la vue trouble. Et si les cauchemars reviennent, adieu. So, let's see. Sheer cap, some water. Ha, done. I can't make any promises, shit. But... Finn, the still. Explore. Ah, d'accord. Fais péter l'alambic. Do something, damn it. Do something. Oh, no. C'est quoi, ça? Oh, sod it. Do I really have to watch every step you take? That was a fucking close call. Hey, I'm sorry, all right. We'll pick up a new one in Ark. Yeah, and you're paying for it. Here, I thought this bloody day couldn't get any worse. This day isn't getting any better. Here, drink this. It'll help you. Il a quand même réussi à faire un remède, ok. Déboucher la bouteille et boire la potion, bien sûr que oui. See, you already look a lot better. Still, you should let a priest take a look at that fever as soon as possible. The grunt root potion will wane in a few days. Merci, merci beaucoup. What? You mean the still? Bad quality and too much heat, I'd wager. But yeah, whatever will be, will be. Mais l'explosion que j'ai entendue, il y a eu des voix aussi. C'était les vôtres? Explosion. I'm not sure I follow. Il a rien vu, lui. Oh, that'd be great, wouldn't it? Finn Dalaris.
died in 8234. Cause of death, exploding still. Okay, j'ai dans ma tête. Ha ha. Look, I really don't know what you're talking about. Maybe... Wait a second. What was that? Qu'est-ce qu'il y a? I could have sworn I saw something moving over there. Je peux bouger de ma chaise, là? Oh, shit! Mais qu'est-ce que... What the... Carbos! Il s'est pris une flèche, lui. They've hit me, Finn. Those bastards. Je peux rien faire, je peux pas bouger. Je suis cloué sur ma chaise, là. Carbos, I... Do something, dammit! Que je veux... Bah, d'accord. Mysterious survivor has awoken. Oh, qu'est-ce qui m'arrive encore? Et où je suis? T'es qui, toi? Jaspar Matumiel Delverick. Jaspar, for short. And you, my friend, are at my very own campsite. D'accord. Before you ask, yes, the bandits killed both of the apothecary. The only reason you're still alive is that the impact of the explosion threw you right into the thicket. Most of your injuries are only superficial, but your fever... It's a different story. Bah, il y a eu une explosion, alors. Qu'est-ce que vous savez de ma fièvre? Quite a lot, actually. You're suffering from Arcanist's fever. Honestly, I'm surprised the old apothecarius didn't see that. Let me guess, you're suddenly capable of doing things you previously knew only from the bard songs, right? You're unusually strong, you have reflexes like a cat, and drinking potions or any kind of magically infused substance leaves a bitter afterglow in your head. Ouais, les réflexes du félin et la force dont tu parles, ça m'étonnerait. Par contre, ouais, ça danse dur dans ma cervelle. Ça bouge dur. Well then, congratulations. Your magical talent just blossomed. A bit late, given your age, but it happens. Put simply, the fever is a result of your body not being able to cope with it. That's not much of a problem for now, but if you don't let an arcanist treat you sometime soon, things are going to get grim. Ben, je fais quoi? Les arcanistes peuvent donc guérir cette fièvre. Il faut déjà en trouver un. Contain it, not cure it. Avant plus. From here on out, you're always going to be a little more sensitive than someone without magical gifts. But that's tolerable compared to what your magic will allow you to do. Et les fameuses visions, j'en ai plein la cervelle. À certains moments, elles arrivent, ça explose, ça bouge. Elles peuvent être causées par cette fièvre. You have visions? Yes, sir. Qui peut soigner ça? Are you sure? The Andralian spider plague is known to cause visions in the infected. And if this is what you caught in that old temple, you might as well start digging your grave, because your limbs will start falling off in a few hours if you don't do something about it. Je te remercie. De quoi tu parles? Relax, friend. That plague doesn't exist. Ah bah, c'est de l'humour, d'accord. I have no idea what kind of visions you're talking about. But your reaction showed me that you're trying to keep something from me. And that's a bad idea if you want my help. You know what? As I said, someone needs to contain your fever as soon as possible. And as it happens, I know people. But in return, I want you to tell me everything. What did you do in that temple? And what's the story with those visions? I can't put my finger on it, but there's something strange about you, and that intrigues me. What do you say? Guérison contre information. Mais je vais pas te raconter ma vie, on en a pour des plombes. Ok. Well then, the stage is yours. Et en plus. I see. My condolences for your loss. Ah, je lui ai tout dit déjà, oui. So, let me summarize. You somehow survived getting thrown into the open sea, and while you were half dead, had this dream in which you saw burnt bodies and a blinding light. On peut résumer ça comme ça, oui. Mais c'était pas qu'un rêve, c'était plus comme un souvenir. Et le temple que j'ai vu est exactement le même que celui dans la vallée, celui que j'ai vu en vision. And you also said that your magic didn't develop gradually, as it usually does, but all at once. Right? Ouais, juste après que la mer m'ait rejeté sur le rivage.
avec ses visions. Quoique j'étais déjà hanté par le massacre de ma famille. Well, that's quite the story. I guess you know how absurd it sounds, but for some reason, I believe you. I've met a lot of liars in my life, and you aren't one of them. All right, it's settled then. I'll introduce you to my employer and ask him to treat you. Before we leave, however, there's something else I need to take care of, and I could use a hand. The sooner we get that done, the sooner we can make for Ark. C'est quoi Ark? Une ville? Bah, pose la question. Pose-lui la question. C'est quoi Ark? Un arc, c'est pour tirer des flèches, pas celui-là. Ark? The capital of this country? Walls high as towers of iron-hard stone rest alone in the mountains in granite enthroned. Never decaying, the ages surveying, guarded by Malthus, and blah, 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 and so on and so forth. You're going to see it soon. Bon, d'accord, je vais vous aider. Splendid. You'll need some information before you can help me, though. I take it the fact that you've seen better times hasn't eluded your attention, has it? Okay. The last 2 years, there have been wars and unrest everywhere. And even though in Enderal there's official peace. Ah ouais, j'ai quoi? Je monte de niveau, là? D'accord, j'ai rien demandé, mais... Ah, la santé, ouais, ça c'est important, on va monter la santé. There are peculiar things happening here, too. Normally docile animals and vatirs attacking wanderers in the open. The dead awakening in hordes. It's unsettling, to say the least. The strangest thing, however, is the red madness. La folie pourpre. Vous pensez que ce chaos peut être lié aux rumeurs sur la mort des êtres de lumière? C'est ce qu'on m'a dit, j'ai rien compris, mais tout le monde parle de ça. Non, la folie pourpre. Qu'est-ce que c'est? Yeah. It's some kind of mental illness that makes people lose their mind. Just a couple of weeks ago, there was a smith in Ark who butchered his entire family. He was drunk, but that doesn't explain why he screamed things like "Fear the light" while he was doing it. Or a young woman of noble path who set her own house on fire while her family was asleep. Now, you might say that these kinds of things happen, but by now, there have been more than a dozen incidents in a very short period of time. The fact that the afflicted's eyes glow red while they go rampant has made people call the disease the red madness. Thing is, some weeks ago it happened again, only this time it was a magister from the Holy Order itself. A mage? Qu'est-ce qui lui est arrivé? A teacher who instructs the novices aspiring to become keepers. His name was Yarrow. A man with more than 60 winners on his back. Well, according to the sole survivor, he entered the teaching room that day as usual, but instead of giving his lecture on alchemy, he gave a strange kind of speech where he kept going on about how mankind is corrupted and that it has succumbed to the void. Then his eyes started glowing, he locked the door and blew himself up in a magical explosion. Okay, j'ai pu sauter. C'est horrible. Moins que le massacre de ta famille. Pourquoi tu vas lui dire ça? What I want your help with is finding clues as to why he did what he did. What do you think? Ben, je veux bien, oui. Great. First of all, I want you to travel to Riverville and talk to an old man named Alfred, a childhood friend of Yarrow's. Ask him what he makes of the incident and whether he has any explanation for it. Secondly, a farm boy told me that he saw Yarrow throw something into the sea during his last visit there. The winds have been blowing inland the last couple of days, so go search the shoreline and see if it washed up. I myself will take a look at the house Yarrow grew up in. Ah, and here. This is a map of the region. Yarrow's house is at the Blue Dot. So, unless there's anything else, I'd say let's step to it. Just meet me at the farm when you're done. Okay. Ah ben je te vois là. Moi ce que j'aimerais c'est... Il est quelle heure là? Dormir. Attends, il y a un bouquin à prendre là. Le boucher d'arc. Ouais, je dirai ça plus tard. Ça me rappelle le massacre de ma famille un peu ça. Le boucher d'arc.
Il y a chaque de couchage, tu peux dormir. Combien? 2 heures. Espérant qu'on soit le matin. Mais ouais, allez, 1 heure de plus. Ou 2 heures de plus. Bon. Hein? Toi, tu restes là, toi. Je dois me taper tout le boulot. Never walk back on the road from the aged man's abode. Faites les apothicaires qui ont été massacrés ici. Excuse-moi, j'ai une course à faire. C'était plus haut, c'est ça, ouais. Ici. Où était leur campement? Un peu plus bas, je crois. Je suis où, là? Poste de guet. Voilà le campement des apothicaires. J'ai évidemment trouvé que leurs cadavres. Mais il y a sûrement des trucs à... C'est qui, lui? Ah ben, d'accord. Un des bandits qui les ont flingués. Crève, salopard. Putain, la couleur de ton épée, mon pote. Elle est rouge. Qu'est-ce qu'il a sur lui? Récupère tout. On verra plus tard. À poil, mon pote. Comme les Talmor dans Skyrim. De sang au sol. Ils sont où les apothicaires? Hydromel, récupère. Allez, prends-moi ça. Il y a quoi? Il y a un bouquin. Récupère. Les apothicaires, voilà un Carbos. Eh, Carbos, mon pote, t'as pas été bien loin. Il a quoi sur lui? Une épée de fer, quelques fringues. Et oui, le deuxième apothicaire? Ils étaient deux. Il est là, juste derrière. Finn, qui a tenté, celui qui m'a donné la potion. Bon ami. Récupère ce qu'il a sur lui. Il n'y a plus que des ruines ici.